Horoscope Poisson du 4 juillet 2023. Bonjour. Voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Votre vie conjugale se portera le mieux du monde. Vous vous présenterez à votre partenaire en éternel fiancé, cassant les habitudes et la routine, et multipliant les attentions. Ce sera si vous aviez bien compris Q'esperluette. En amour, il n'y a pas de plus affreux désastre que la mort de l'imagination. Esperluette. George Meredith. Célibataire, ne mêlez pas affaires et sentiments. Un tel mélange risque d'être explosif. Aussi, méfiez-vous de vos tergiversations, qui peuvent d'un seul coup vous faire changer d'attitude, au point de désorienter et de déstabiliser vos partenaires. Horoscope Argent. Eh oui, vous serez tellement motivé pour gagner beaucoup de sous que les difficultés, loin de vous décourager, vous stimuleront. Il y en aura pourtant, et vous devrez naviguer entre les écueils pour vaincre. Horoscope Santé. Vous ne risquez pas de manquer de ressort. Avec Mars aux commandes de votre secteur santé, vous aurez du mal à vous arrêter. Veille simplement à ne pas trop tirer sur la corde, être toujours sur la brèche, sans prendre le temps de souffler. Franchement, les astres vous le déconseillent. Horoscope Travail. Les choses vont commencer à bouger côté travail. Mars vous vaudra un surcroît d'énergie, mais aussi des conflits possibles. Le Soleil, de son côté, réveillera votre ambition et vous aidera à obtenir le succès dont vous rêvez. Horoscope Famille. Vos relations avec vos parents ainsi qu'avec vos frères et sœurs seront aujourd'hui sans histoire. Cependant, avec Mars mal aspecté, il est possible que vos enfants soient nerveux ou agressifs, et que vous ayez du mal à instaurer la discipline à laquelle vous tenez. Il n'y aura pourtant rien de grave, rassurez-vous. Horoscope Vie Sociale. Dans vos relations sociales, méfiez-vous de votre esprit de critique, car vos remarques aigre-douces se retourneraient tôt ou tard contre vous et vous vous retrouveriez dans un grand embarras. Tournez 7 fois votre langue avant de parler, en songeant à protéger vos propres intérêts avant tout. Faites appel à votre bon sens, sachant que esperluette. Le meilleur usage qu'on puisse faire de la parole, c'est de se taire esperluette. Chuang Tzu.